Mes chers frères et sœurs, bienvenue au Brésil. Bienvenue au Brésil. C'est une immense bénédiction pour ma tendre épouse et moi de vous adresser la parole pour le jour de découverte familiale depuis un endroit qui nous est si cher à notre cœur. Le Brésil est riche en diversité depuis sa belle population jusqu'au paysage à couper le souffle. En passant par la diversité culturelle et ses traditions séculaires, pour nous, le Brésil, c'est notre foyer. Nous vous souhaitons donc la bienvenue depuis l'extravagante ville de Rio de Janeiro. Ma femme et moi avons tous deux servi comme jeunes missionnaires dans cette belle ville, et c'est ici que nous sommes aperçus pour la première fois. Mon mari et moi sommes nés et avons grandi à São Paulo, la plus grande ville du Brésil vers l'ouest. Nous sommes devenus membres de l'Église dans notre jeunesse et avons vu la croissance rapide de l'Église ici, au Brésil. Je me souviens encore, étant alors un jeune garçon de 8 ans, quand le premier pieu d'Amérique du Sud a été organisé à São Paulo. Le tout premier. Est-ce une surprise si je demeure frappé d'admiration et d'humilité maintenant que le Brésil regroupe plus de 281 pieux et 39 districts? Le premier temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours d'Amérique du Sud a aussi été construit à São Paulo, et c'est là que mon mari et moi avons été mariés pour le temps et toute l'éternité. Ce retour à la maison, ici au Brésil, me rappelle tous ces précieux souvenirs. Bien que notre histoire personnelle ait commencé ici, tous nos ancêtres ne sont pourtant pas originaires du Brésil. Mon grand-père, José Carrecho, est né au Portugal, et ma grand-mère, Encarnación Linares, en Espagne. Ils se sont rencontrés sur un bateau à destination du Brésil lorsqu'avec leurs parents, ils ont quitté leur patrie pour une vie nouvelle en Amérique. Peu après leur arrivée dans le pays, ils se marièrent et s'établirent à Três Lagoas avec leur famille dans l'état de Mato Grosso do Sul. Ces familles d'immigrés restèrent soudées pour conserver leurs traditions et leurs histoires vivantes, et aussi pour se soutenir mutuellement dans cette nouvelle vie, loin de chez eux. Tout comme beaucoup de Latino-Américains, les souvenirs se construisent à table. Il en fut de même avec ma famille. Chaque événement a été une occasion pour se retrouver, cuisiner et manger une nourriture hors du commun. Les anniversaires, les vacances et même les dimanches se déroulaient en famille. C'est une tradition qui s'était transmise. Et même lorsque nous avons eu notre propre famille et nos enfants et nos trois enfants, nous avons visité ma famille chaque dimanche. Nous cuisinions, partagions le repas et passions des heures ensemble dans l'amour et le soutien. Ces histoires et traditions familiales nous définissent. Certaines de ces histoires et traditions sont transmises et certaines sont initiées. Alors que nous nous engageons dans l'histoire familiale et que nous en découvrons plus sur ceux qui nous ont précédés, cette connaissance nous donne du pouvoir et une meilleure compréhension sur nos origines. Au sein de quelle histoire familiale puisez-vous de la force? Quelle autre tradition avez-vous? Si rien ne vous vient à l'esprit, ne vous découragez pas. Nous vous encourageons à les rechercher. Et souvenez-vous, l'histoire familiale ne réside pas que dans le passé. Vous pouvez vous appuyer sur vos expériences personnelles récentes ou votre histoire au fur et à mesure qu'il se révèle dans le présent. Vous pouvez créer vos propres traditions. Ce qui vous rend vraiment unique, c'est la combinaison du passé et du présent. C'est ça qui vous rend unique. Cette semaine, ma femme et moi avons eu le privilège de revoir les lieux de notre jeunesse à São Paulo. Nous avons évoqué avec émotion les tendres souvenirs vécus et maintenant, nous aimerions partager certaines d'entre eux avec vous.
Nous sommes à Via Maria. C'est ici que j'ai grandi et où on m'a fait découvrir l'évangile de Jésus-Christ. Les missionnaires sont arrivés pour la première fois en 1965. J'étais le seul enfant qui n'avait pas 8 ans à cette époque-là. Mes trois frères et sœurs et mes parents se sont fait baptiser. J'avais un frère dont j'étais très proche et qui était de 2 ans mon aîné. Il avait un problème auditif. Il avait de grosses difficultés à s'exprimer et je me souviens avoir été son compagnon afin de l'aider à s'exprimer auprès des gens pour faire les choses dont il avait besoin. J'ai dû apprendre la langue des signes pour communiquer à l'Église. Par exemple, une fois, il a reçu la tâche de faire un discours à l'Église et bien sûr, il ne pouvait pas parler. Il était incapable de parler. Mais je me suis assis avec lui et en mimant et en parlant la langue des signes, je l'ai aidé à écrire un discours que j'ai lu pour lui en réunion de Sainte-Seine. Il se tenait à mes côtés. Il se tenait à mes côtés au pupitre et j'ai lu le discours qu'il avait préparé. Nous voyons donc que des expériences très spéciales arrivent dans notre vie et se sont produites dans ma vie. Mes parents avaient une grande foi. Ils étaient très simples dans leur mode de vie, mais plein de foi et leur conversion à l'Évangile a changé leur vie pour toujours. Cela a donné une nouvelle perspective, même pour moi, car ils ont travaillé si dur pour que ma vie change dans le futur. Ils ont ressenti tellement de joie grâce à l'Évangile de Jésus-Christ. Aussitôt après leur baptême, ils ont commencé à inviter leurs voisins qui habitaient dans cette région afin d'écouter les leçons missionnaires chez eux. C'est la première fois que je reviens à cette école depuis que j'ai quitté. Mon amour, revenir à cette école, c'est comme remonter le temps, c'est merveilleux. Le maître se tenait ici et il y avait une table qui se trouvait au centre de la pièce. Il y avait un petit bureau et une chaise. Je m'asseyais ici. C'était ma place. Les grands événements scolaires, les fêtes folkloriques de juin, les autres activités, les répétitions de l'orchestre, quand je jouais des cymbales dans le groupe, c'était ici, et nous alignions, et nous nous entraînions ici. C'était très intéressant. Sœur Gilda était une sœur pleine d'amour. Elle était aussi très généreuse. Elle apportait du papier et du papier aluminium. Il rassemblait toutes les sortes de papiers qu'il pouvait, parce qu'ils pouvaient être vendus et que les recettes étaient utilisées au profit de personnes dans le besoin. Elle m'a appris à être plus charitable. C'est un souvenir merveilleux. C'est alors que je t'ai rencontré, 6 mois. Après mon retour de mission, tu venais tout juste de revenir de ta mission. Beaucoup de nos amis étaient aussi présents. Et c'était très intéressant de voir qu'au moment où nous dansions, je pouvais te voir, me regarder. Et quelque chose a commencé à s'agiter en moi aussi. Dès que la musique s'est arrêtée, tu es venu vers moi pour m'inviter à danser. Nous sommes restés amis sans que rien ne se passe. Mais c'est ce soir-là que nos yeux se sont ouverts. Chacun d'entre nous a vu en l'autre le potentiel d'une relation entre un jeune homme et une femme, tous deux pleins de foi. Six semaines plus tard, nous avons commencé à nous fréquenter. C'était il y a 41 ans. Mon amour, peux-tu croire que nous soyons ici maintenant, à la chapelle de la deuxième paroisse, la chapelle où je me suis fait baptiser? Et c'est dans cette merveilleuse pièce derrière, cette porte, que j'ai reçu ma bénédiction patriarcale. C'est ce jour précis où j'ai décidé que je voulais faire une mission. En outre,
La chapelle nous rappelle de très bons moments de notre vie ensemble. Oui, car c'est ici que nous nous sommes mariés. Nous nous sommes d'abord mariés dans cette chapelle, avant d'être mariés au temple, peu après. Au temple, c'est cela. Nous nous sommes mariés ici le mardi, et le samedi, nous nous sommes mariés au temple. Tout à fait. Et après, nous avons organisé une fête. Il y avait une table là, avec des fleurs, et un beau gâteau. C'est vrai. Nous avons beaucoup dansé. Veux-tu danser avec moi? Crois-tu que j'en serai encore capable? Je le pense. Nous allons voir alors. C'est parti. Déambuler à cet endroit nous rappelle beaucoup de souvenirs, n'est-ce pas? Surtout du début de notre mariage. Nous nous promenions à ces endroits, nous nous reposions, nous nous détendions et rechargions nos batteries pour la semaine. Je me souviens du défi que cela a été les 5 premières années où nous avons essayé d'avoir un enfant. Tu te souviens? Ce furent des premières années éprouvantes. Elles étaient très difficiles, ces 5 premières années. Je n'arrivais pas à tomber enceinte. Nous avons eu beaucoup de problèmes de santé après tellement d'efforts. Nous avons alors reçu une bénédiction de la prêtrise. Et quelques mois plus tard, tu as subi une opération chirurgicale. Et quelques mois plus tard, notre rêve, oui, est devenu réalité. Et tu attendais un enfant et nous attendions un enfant. Ensemble, oui. Nous avions tellement confiance au Seigneur et nous avons reçu des bénédictions tangibles. Ce n'était pas facile pour nous deux qui étions si inexpérimentés. Ce n'était pas facile. Mais tandis que nous nous débattions avec la vie, le Seigneur a pourvu à nos besoins spirituels, nous donnant la paix dont nous avions besoin, l'aide et la capacité à travailler, à persévérer pour terminer nos études. Cela a été une période significative dans notre vie, qui a complètement changé l'orientation de tout ce que nous aurions pensé faire. Nous avons vraiment profité de nos souvenirs d'enfance et vous pourriez penser qu'être là nous a vraiment aidé à nous souvenir de qui nous étions. Le souvenir de notre culture, de notre héritage, de nos traditions est important, tout comme ces expériences qui ont fait l'histoire de notre vie. Ils nous permettent de comprendre qui nous sommes. Cependant, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas pleinement comprendre la portée de votre identité si vous ne comprenez pas à qui vous appartenez. Comprenez-vous que vous êtes littéralement un enfant de Dieu? Avez-vous découvert ce que cet héritage divin signifie pour vous? Depuis mon plus jeune âge, cette découverte a été pour moi le point de départ de mon témoignage qui a continué à se développer et à se renforcer au cours de ma vie. Tout comme notre retour au Brésil nous a aidés à nous reconnecter à nos racines, aller au temple peut nous aider, chacun d'entre nous, à nous reconnecter à nos origines spirituelles. C'est l'endroit où vous pouvez apprendre et réapprendre le plan de Dieu pour nous. C'est l'endroit où vous pouvez échapper aux voix assourdissantes qui essayent désespérément de vous faire oublier votre identité divine. C'est l'endroit où nous avons l'occasion de contribuer à la plus grande cause, le rassemblement des membres de notre famille qui n'ont jamais eu la chance de recevoir les ordonnances sacrées de leur vivant. Le premier endroit que nous avons visité lors de notre arrivée à Rio de Janeiro a été le temple récemment construit. J'essaie de m'imaginer avec un temple dans cette ville alors que je n'étais encore qu'un jeune missionnaire. Pour mon épouse et moi, nous sommes honorés d'avoir eu le privilège de visiter la maison du Seigneur qui sera consacrée sous peu et de partager certains de nos sentiments dans un endroit si sacré.
sur chaque temple de l'Église dans le monde sont écrits les mots suivants. « Santidad au Seigneur, a casa do Seigneur, sainteté au Seigneur, la maison du Seigneur. » Lorsque vous franchissez les portes du temple, vous vous trouvez dans sa maison et vous rapprochez ainsi davantage de lui et du Père. Tout ce qui se passe au sein de ces murs sacrés vise à tous nous ramener au foyer de notre Père. Je me souviens de quand j'étais en mission, je n'avais pas encore reçu mes ordonnances du temple, car celui-ci a été consacré alors que je servais déjà dans le champ de la mission. Nous sommes venus, mon collègue et moi, car nous n'avions pas encore reçu nos ordonnances. Lorsque nous sommes arrivés au temple et que j'ai vu les fonts baptismaux pour la première fois, avec les 12 bœufs, lorsque nous avons reçu nos ordonnances avec ces 12 bœufs supportants, cela m'a procuré un sentiment de gratitude tellement grand de penser que tous mes ancêtres pouvaient avoir l'occasion de recevoir les ordonnances du temple qu'ils n'avaient pas encore reçues. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de recevoir les ordonnances tandis qu'ils étaient sur terre. Je me souviens que lorsque j'ai été baptisé dans notre paroisse, il y avait une formation en généalogie que nous appelons aujourd'hui le cours d'histoire familiale, et j'ai tout de suite suivi cette formation. J'étais si enthousiaste de trouver mes 4 générations. J'ai commencé les recherches avec ma sœur Makareche, et nous avons trouvé beaucoup, beaucoup de noms qui ont été envoyés au temple afin qu'ils puissent recevoir leurs ordonnances. Et je n'étais encore qu'un converti. En tant que converti, je savais que ma décision de me faire baptiser aurait une grande influence sur moi et ma future famille. Mais je ne réalisais pas comment cette décision bénirait aussi ceux qui étaient venus avant moi. En repensant aux souvenirs sacrés des cérémonies de mariage au temple, à commencer par notre propre mariage, je me souviens que nous sommes entrés dans le temple et nous sommes rendus dans une pièce comme celle-ci à Sao Paulo. Et ce jour-là, le selleur, la personne qui a accompli l'ordonnance, a dit des choses pratiques, tellement particulières pour un couple qui commençait sa vie ensemble, tout en nous donnant la perspective d'un mariage éternel. Je me souviens que le selleur a dit quelque chose de très spécial. Il a dit que nous ne devrions jamais oublier de faire la soirée familiale. C'est une chose qui est restée gravée dans ma mémoire et dans mon cœur, qui nous a aidés au cours de ces 40 années de mariage. Et tout comme notre scellement au temple a été spécial, ainsi en a été pour les mariages et scellements de nos enfants. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, une expérience vraiment précieuse. C'était vraiment magnifique de voir nos enfants agenouillés à l'autel. Nous les regardions dans les yeux et nous nous souvenions de l'histoire de leur vie. Tout ce que nous avions fait afin de les aider à connaître cet instant et recevoir les promesses que Dieu avait pour eux, à savoir qu'ils peuvent être une famille éternelle, tout comme nous en avions reçu la promesse. Je n'oublierai jamais leur regard tandis qu'ils acceptaient l'alliance et s'engageaient à vivre les commandements afin de faire de cette promesse une réalité dans leur vie et pour toute l'éternité. À mon sens, cette salle de scellement, ainsi que toutes les salles de scellement dans le monde, représentent tout ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, être mariés et unis pour toujours en une famille éternelle. Je sais que beaucoup attendent du Seigneur la bénédiction d'être unis en tant que couple et scellés à leurs parents et à leurs enfants pour le temps et l'éternité. J'attends aussi avec impatience le doux moment où j'aurai la chance d'être unis pour l'éternité avec mes chers parents ici, dans la maison du Seigneur. Il n'existe pas d'autre endroit sur terre où la connexion avec Dieu et Jésus-Christ est plus clairement ressentie et comprise qu'au temple. Comprendre qui nous sommes, d'où et de qui nous venons, peut apporter un grand changement ou un grand sentiment de paix dans notre vie, une perspective et un but. What an unforgettable.
Être dans le temple sacré du Seigneur avec ma femme a été une expérience inoubliable. Mes frères et sœurs, dans le temple, vous pouvez découvrir non seulement qui vous êtes, mais aussi à qui vous appartenez, mais aussi ce que vous êtes appelé à devenir. Il est intéressant de noter que tandis que nous découvrons qui nous sommes et à qui nous appartenons, cela met en lumière à quel point nous sommes identiques. Nous sommes tous semblables à Dieu. Peu importe nos différences, nous avons tous le même héritage divin et une chance égale à une destinée céleste glorieuse. Les découvertes dont nous parlons n'auront pas seulement un effet puissant et durable dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de tous ceux avec qui nous les partageons. Nous jouons tous un rôle important en transmettant notre histoire familiale, notre héritage, notre culture et nos traditions. Nous sommes un maillon entre le passé, le présent et le futur. Et en transmettant ces aspects importants de notre identité éternelle, nous fortifions la génération montante à une époque où elle en a le plus besoin. Il est tout aussi important, voire plus important encore, de transmettre notre témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ et notre témoignage de lui et de son sacrifice expiatoire que de transmettre notre culture et notre héritage. Cet héritage de foi transmis de génération en génération est le plus grand héritage à léguer aux générations futures. En tant que membres de l'Église, nous ne devons pas être étonnés de cet enseignement. Le livre de Mormon a été écrit pour le profit de leurs enfants, afin qu'ils sachent vers quelle source se tourner pour la rémission de leurs péchés. C'est pourquoi nous parlons afin que nos enfants attendent cette vie qui est dans le Christ. Parents, enseignez ces choses à vos enfants afin qu'ils sachent d'où ils viennent et à qui ils appartiennent. Cela peut être aussi simple qu'un témoignage, une histoire, une tradition ou même un repas. Comme mon mari en a déjà témoigné, nos meilleurs souvenirs familiaux sont ravivés autour d'un plat. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'il est souvent le cuisinier. Nous avons aimé et continuons d'aimer à préparer des repas ensemble pour nous asseoir à table, entourés de mets succulents avec ceux que nous aimons. Il y a quelques mois, dans notre maison de Salt Lake City, nous avons eu la chance de passer un moment avec nos deux filles et ma sœur Margaret. Alors que nous écoutions nos enfants, nous avons appris quel effet la transmission de ces découvertes avait eu sur eux. J'ai toujours été passionné de cuisine et de pâtisserie. Peut-être était-ce le fruit de mon éducation. De même qu'un bon repas demande du temps et de l'attention, transmettre notre héritage personnel et divin requiert un temps soigneusement consacré. Quand on mélange les ingrédients, ils se combinent en un plat délicieux. De la même façon, lorsque nous aidons nos enfants à rassembler ce qu'ils sont, avec leur origine céleste, le moment de découvrir leur personnalité et leur destinée divine, le résultat est extraordinaire. Aujourd'hui, ma mère et moi avons fait de la polenta, qui est un plat traditionnel familial, tant du côté de ma mère de mon côté. Et c'est un plat exquis dont l'origine remonte à nos traditions ancestrales. Mon père disait toujours que sa mère faisait de la polenta à la maison. Elle avait beaucoup d'enfants et sa mère en faisait toujours. Ils plantaient et récoltaient aussi le maïs. Ils égrenaient le maïs et préparaient ensuite la polenta. À la maison, nous avions aussi l'habitude de manger la polenta, mais aussi d'autres choses.
Ce que j'aimais toujours manger, c'était les pâtes à lait, l'ail et à l'huile d'olive. Je te demande toujours de m'en préparer pour mon anniversaire. Maman me demande, « Que veux-tu que je prépare pour ton anniversaire ?» Je dis, « Je veux des pâtes à l'ail et à l'huile d'olive et du poulet frit avec de la crème de maïs. » Celui qui aimait une large variété de plats chez nous, c'était Gustavo, notre fils. Il aimait vraiment les pizzas frites. Tu te souviens? C'est une recette de sa tante que nous faisions à la maison. C'était délicieux. Ce plat était très important pour nous. Papa voulait toujours que nous mangions ensemble en famille. Au moins un des repas chaque jour. Ça a toujours été important pour nous d'avoir ces réunions familiales autour d'un repas. Je pense que cela nous a rapprochés. Et ça s'est toujours passé ainsi depuis le jour où j'ai été appelé président de Pieux. Et c'était sympa que vous m'attendiez pour prendre le repas. Je me souviens que nous plaignions encore et encore. Et je me souviens, un jour, nous avons dit, venez, on fait semblant d'être mort et on devrait s'allonger sur le sol. Comme ça, quand papa rentre à la maison, quand il est entré à la maison, nous étions allongés sur le sol. Tout change. Lorsque j'ai ouvert la porte de la pièce, vous étiez tous allongés sur le sol. Lorsque nous étions jeunes à la maison, nous n'étions pas croyants. Mais papa faisait toujours des prières chaque soir à genoux et je le regardais depuis toute petite. Il ne m'a pas instruite par des mots, mais par des actes. Et quand j'étais petite, je me souviens aussi d'avoir pris quelques fois le nom de Dieu en vain. Je ne savais pas ce que je faisais était mal, mais ma mère m'a enseigné que je ne devais pas parler ainsi. Elle n'était pas croyante non plus, mais elle avait néanmoins des principes sur ce qui était juste et sur ce qui ne l'était pas. Et je crois que Margaret et moi avons été bénis avec des voisins merveilleux. Anna était notre voisine et elle était très gentille avec nous. Elle m'a invitée à une activité des jeunes un samedi et j'ai été très bien traitée à l'activité. Je me suis sentie si bien. Un dimanche, elle m'a invitée à venir aux réunions de l'église. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti ce premier dimanche à l'église, car j'ai ressenti une telle paix. Je ne savais pas ce que je ressentais parce que je ne comprenais pas qui était le Saint-Esprit. À la fin de la réunion, tout le monde a dit « Amen ». Mais c'était un amen si solennel qu'il a pénétré au plus profond de mon cœur et que j'ai dit « Oh là là, je veux cela pour moi ». Ce jour, vous êtes rentrée à la maison pour raconter à maman ce qui s'était passé. Je me souviens que vous étiez dans la salle devant. Je me souviens que j'étais dans la cuisine en train de prendre un café et de manger du pain comme nous en avions l'habitude. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais 9 ans. J'en avais 14. J'étais donc en train d'écouter ma sœur parler de l'église où elle était allée et comment on payait la dîme dans cette église, les fêtes qu'avaient les jeunes et qu'ils enseignaient aux enfants à ne pas boire de café. Lorsque ma sœur a dit qu'ils ne buvaient pas de café, j'étais justement en train d'en boire. J'ai repoussé ma tasse de café en me faisant la promesse que je n'en boirais plus jamais. Ensuite, je suis allée dans le salon pour en écouter plus sur son histoire. Et cette même semaine, ma voisine, Rosanna, qui avait 9 ans comme moi, m'a invitée à la primaire. J'ai été à la primaire où j'ai découvert qu'il s'agissait de la même église. Vous avez grandi toutes les deux dans l'église sans que vos parents soient membres. Et vous avez bâti votre foi dans l'Évangile et décidé de consacrer vos vies à instruire vos enfants dans cette même foi. J'ai déjà dit plusieurs fois à mon mari que je pense que si je n'avais pas eu de parents qui faisaient des soirées familiales hebdomadaires et une famille qui faisait les choses qui nous étaient demandées par l'Église, je pense que je ne les aurais probablement pas faites à la maison parce que j'avais mes habitudes. Je n'aurais pas donné cette habitude, cet exemple et ce modèle d'éducation de l'Église à mes enfants. Car aujourd'hui, c'est difficile. Et les enfants ont besoin de ces bases pour grandir dans un environnement sain. Pour moi, le fait que nous ayons eu l'habitude à la maison a fait que nous en avons aussi pris l'habitude avec mon mari et que c'est plus simple pour nous. Mon mari n'a pas été éduqué avec ses habitudes chez lui.
Donc bien sûr, pour lui, ça a demandé de l'adaptation. Mais si aucun d'entre nous n'avait eu cette habitude, peut-être que ça aurait été encore plus difficile. Donc c'est plus facile d'aller de l'avant après avoir adopté de bonnes traditions. Ces décisions que vous avez prises, car je pense que le choix est une responsabilité, c'est quelque chose d'important dans l'Évangile. Vous devez faire des choix, car c'est le seul moyen pour progresser dans cette vie et dans la suivante. Et vous avez tous deux fait ces choix. Comme enfant, nous avons veillé sur vous, et cela a une grande influence lorsque vous avez un modèle pour vous aider à vos enfants à développer leur foi. Et cela peut nous aider à développer de la foi en faisant aussi d'autres choses en tant que parents. Je pense qu'il est important pour nous d'aider, de donner ce petit coup de pouce dont nos enfants peuvent avoir besoin de temps en temps. C'est ce qui importe le plus dans l'Évangile de Jésus-Christ, et c'est pour ça. C'est pour que vous devez garder cela vivant chez vous, dans votre famille, afin que nous puissions le transmettre. Le futur naîtra de vos racines et croîtra dans le temps et fleurira pour les générations futures. Pour moi, je pense que la chose qui m'a toujours beaucoup impressionnée a été votre consécration dans vos appels. Je me souviens de quel genre de présidente de primaire tu étais alors que papa était président de PIEU. Vous aviez un tel engagement dans votre appel à une profonde consécration à l'Évangile. Donc pour moi, il n'y a pas de bonnes excuses pour ne pas faire ce qui doit être fait. Comment savoir si nous faisons ou non du bon travail? Il faut faire ce que vous pouvez, faire ce qu'on peut de son mieux. Je pense que j'ai appris cette leçon de votre exemple. Vous ne connaîtrez jamais vraiment l'influence que vous aurez sur ceux que vous aimez. À mon sens, l'expérience que nous avons eue avec nos filles m'a aidé à comprendre un petit peu plus qu'il n'en faut pas beaucoup pour transmettre un héritage et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Pendant que nous étions à Rio de Janeiro, mon mari a eu l'occasion de visiter l'un des monuments emblématiques du Brésil. Alors que je me tenais à ses côtés, moi, sa femme, j'ai vu mon mari rendre témoignage de notre Sauveur, Jésus-Christ, à plusieurs reprises. Mais je n'arrive pas à exprimer combien cela signifie pour moi de me retrouver où je l'ai rencontré pour la première fois en tant que représentant du Christ quand il n'était encore qu'un jeune homme. Nous avons vieilli, le temps nous a changés. Mais il n'a fait que renforcer nos témoignages, tandis que nous nous efforçons de découvrir qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, j'étais missionnaire ici il y a plus de 40 ans et jamais je n'aurais imaginé le chemin qui me mènerait là où je suis aujourd'hui. M'adressant à vous tous en tant qu'apôtre et témoin spécial de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Je me trouve sur le mont du Pan de Sucre, d'où l'on peut admirer l'immensité de la ville Rio de Janeiro. Derrière moi, au sommet du Corcovado, se dresse le Christ Rédempteur. Cette statue majestueuse du Sauveur, les bras tendus, est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables du Brésil. Il y a des jours où ce monument qui surplombe la ville est clairement visible, mais parfois, les nuages empêchent de voir la statue. Dans ces moments-là, pour la voir, il faut s'élever au-dessus des nuages, en montant la pente escarpée. C'est tellement vrai avec notre Sauveur Jésus-Christ. Le découvrir, savoir qui il est, exige que chacun de nous s'élève et monte la pente.
Le chemin qui mène à la découverte du Sauveur est personnel et comporte son lot de hauts et de bas. Mais cette découverte mènera toujours et sans aucun doute à la pureté et à la paix, à la perspective et au sens, au pouvoir et à l'appartenance à la famille de Dieu. Nous étudions sa vie, son exemple parfait et ses commandements. Il a découvert des aspects de sa personnalité, établit la façon dont nous devons vivre, l'exemple que nous devons donner et les commandements que nous devons suivre. Dans cette quête pour devenir comme le Sauveur, nous découvrons notre dépendance envers lui et son expiation. C'est grâce à l'expiation de Jésus-Christ que nous trouvons la pureté et la paix. En nous efforçant de soumettre notre volonté à celle du Père, comme l'a fait le Sauveur. Apprendre à les connaître permet d'avoir une perspective de la détermination, même dans les moments les plus sombres. Pendant une des périodes les plus douloureuses de ma vie, j'ai tragiquement perdu mon père à la suite d'une crise cardiaque inattendue. À ces chagrins s'est ajoutée la perte inattendue d'un de mes frères, puis d'un autre peu de temps après. Pendant cette période difficile, ma chère épouse et moi avons également perdu deux enfants. Un est né prématurément et n'a pas survécu. Puis ma femme a fait une fausse couche. Mes chers frères et sœurs, dans ces moments sombres de chagrin et de douleur, de perte et de désespoir, aux épreuves et des tribulations, venir au Christ est le moyen sûr de ranimer une lumière. Si faible soit-elle, elle peut grandir en vous, peu à peu, et conduire à l'espoir et la guérison. Vous pouvez découvrir, grâce à lui, que du pouvoir et l'appartenance à la famille de Dieu vous sont accessibles. La phrase du cantique bien connue « Venez à Jésus » est une invitation au monde. De tout pays où vous habitez, il appelle toujours ainsi les humbles et le cœur rebelle. Venez à moi. Il vous prendra tel que vous êtes, et en vous approchant de lui et écoutant ses enseignements, vous deviendrez de plus en plus semblable à lui. Une partie de ce processus consiste à participer au rassemblement des deux côtés du voile. À propos de l'histoire familiale et du temple, lorsque nous aidons le Seigneur à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, les Écritures enseignent que nous devenons littéralement des sauveurs sur le mont de Sion. Mais qu'est-ce que cela signifie? Tout comme le Sauveur a sacrifié sa vie pour toute l'humanité, nous devenons, dans une certaine mesure, des sauveurs pour les gens qui n'ont aucun moyen de recevoir les ordonnances du salut sans notre aide ici-bas. En somme, s'engager dans cette œuvre nous aide à devenir plus semblables à Jésus-Christ. Je vous promets qu'en vous joignant à lui pour accomplir l'œuvre de notre Père, en aidant ceux qui n'ont pas, eux, la chance d'accepter le Sauveur, à avancer sur le chemin des alliances, vous commencerez à le voir tel qu'il est. Vous serez comme lui, et vous découvrirez qui vous êtes et à quel point vous pouvez être extraordinaire. Cela a été une expérience mémorable que de pouvoir partager ce jour de découverte familiale avec vous. Nous prions pour que les plus belles bénédictions du Seigneur soient sur vous alors que vous vous embarquez dans votre voyage de découverte. Alors que vous cherchez à découvrir, à transmettre qui vous êtes, d'où vous venez et à qui vous appartenez, vous saurez qui est votre Sauveur Jésus-Christ. Je vous promets que vous trouverez de la pureté et la paix en une perspective et un but. Vous trouverez aussi du pouvoir et une place au sein de la famille de Dieu. En tant que son témoin spécial, je vous témoigne qu'il vit, il vous connaît. Ses bras sont ouverts
vous invitant à venir à lui. Ce n'est que par lui que vous atteindrez votre plein potentiel. Je témoigne que c'est vrai. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen. Amen. Benson.